Attention, il y a des mauvaises herbes qui ont cassé des choses dans la ferme. Voilà. Mais... Voilà. Voilà. Rien d'intéressant. J'ai dit, il y aurait des trucs qui seraient cassés, on ne reconnaîtrait plus la ville. C'est les plantes piranha qui envahissent en fait. Les plantes. Les plantes piranha, elles sont où? Les plantes piranha. Plantes piranha contre nuage. Quoi? Cloud. Ah, Cloud. Nuage. J'ai nuage, je me suis atteint. C'est quoi? Bonjour nuage. Alors, je refais un point coffre, vous m'excusez, mais tout ce qui est sève, eggmarine et compagnie, là, ça va où? Dans la serre. Hein? L'eggmarine? Dans la serre? En gros, tout ce qui est plantation... Ça se plante pas, l'eggmarine? Là, je te parle de cailloux. Un minéral. Ah non, eggmarine, minerai, c'est dans les coffres qui sont... T'as un coffre noir et en dessous, t'as des coffres qui n'ont pas de couleur. Jacques, je te pose un truc dans un des coffres là. Bah, c'est dans ceux-là. C'est pour toi. Marquis. C'est des minerais. Marquis. Oh, super. C'est du riz. Oui. Il va falloir des maquis. Du riz sur. Je pensais que tu parlais des graines. Ouais. Non, 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 pas des graines. Non, non, là en fait, si tu veux, j'ai 2-3 trucs minéraux sur moi, mais je sais pas où vraiment où les mettre. C'est là où je t'ai dit. Parce que là, tu vois, là ça, c'est, je vois bien que c'est de la ressource. Si t'as pas retenu, c'est dommage. D'ailleurs, dans le coffre. Bah là, est-ce que c'est ça? Bah tant pis pour ta gueule quoi. Du coup, je dirais là. Ah, c'est là. Ça, je sais. Ça, c'est de la géode. Ça, c'est des algues. C'est dommage pour ça, parce que franchement... Bah alors... Là, il y a 2 géodes à ouvrir. Ça, faut que je le range ailleurs. Et la sève. C'est où les géodes à ouvrir hein? Ah tiens, je te les donne. Qu'est-ce que tu cherches? Tiens, cadeau. La sève. Attends. La sève, j'en ai vu... Yorné. J'en ai vu dans la serre, de la sève. J'ai entendu give me ouais. Orné. J'ai entendu la même chose. Hein. Ah bon, d'accord, ouais, je suis pas fou. Ok. Oh, mais bon, laissez-moi me battre avec mes plans là. Merci. J'ai un problème existentiel. Bon, moi je vais vous faire de la cuisine hein, en attendant. Ok, vas-y, c'est vrai que ça me fait faire la petite popote là. On dit bien qu'on a un problème, on sait plus comment aménager notre ferme là. Mais... Bah non, si, tu ne sais plus comment aménager. Tu mets tout dans des cartons, tu fais tes tris et c'est bon hein. Poisson. Nous on paye juste le loyer, après le reste. C'est ça. Ah, on est propriétaire, on est propriétaire. Ah bah ça va alors. Je vais regarder combien ça coûte. Ah, faut appeler Jean-Pierre Pernaud pour ça. Référence de boomer. Mais c'est pas Julien Courbet? Ah, peut-être qu'il a repris. Si, non. C'est Julien Courbet qui a repris. C'est... Non, non, combien ça coûte? C'était Pernaud. Courbet, c'était sans aucun doute. Et qui fait maintenant la même chose, mais sur M6. T'as dit quoi, Yaki? T'es sûr qu'il a pas repris Courbet hein? Combien ça coûte? Ah non, 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 combien ça coûte? C'est ça. C'était tout le temps une émission de Pernaud, et à un moment donné, il était accompagné d'une femme, et je sais plus comment elle s'appelle. Peut-être, mais je pourrais. Combien pas ça dire. Coûte Google? Combien ça coûte Google? Il va me dire 10 milliards d'euros que j'ai des entreprises. L'entreprise totalise ce combien jour. Ça coûte. Émission. Présentateur. Jean-Pierre Pernaud et Justine Fraioli. Ah voilà, j'ai une fine fédurie. Justine Fraioli. Ah, mais c'est elle qui est maintenant sur la 3 ou sur la 5? Je sais plus. Elle présente des trucs culinaires. Ah, c'est elle! Oui, c'est bon, je vois qui c'est. Mais c'est pas celle qui fait C'est à vous. C'est encore une autre. Mmh. Il me faut des algues. Mince. Oula, oula, oula là. Du coup, ouais, c'était pas Julien Courbet, j'étais persuadé. Ah, ça me disait quelque chose aussi, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Comme quoi, nous pouvons tous... Je m'en trompé. La perfection a toujours des petites lacunes. Hein. La perfection pourtant, au masculin, Gillette. C'est ce que j'allais dire. Je dirais pourtant, Gillette nous a toujours appris que c'était la perfection au masculin, mais... Zéro. Ne vous inquiétez pas, je gère. Hein. Où sont truc, les... Ça m'inquiète, justement. Il y a un truc qui m'inquiète aussi. Mmh. Avec tout... les débats qu'il y a en ce moment pour intégrer tout le monde dans ce qui est non-binaire et tout ça.
toutes les entreprises du style Gillette qui dit la perfection au masculin. Voilà, ils sont en train de se réformer. Hein. Ils sont en train de tout faire. Ouais, ouais. C'est un peu le bordel. Les produits de beauté qui disent la femme qui est en vous, je sais pas quoi. Enfin... Ah ouais, c'est vrai. C'est bête à dire, mais... non, je... Ouais, ok. D'accord. Ouf, attention là. Non, là c'était pente glissante, donc on va rien dire. Là, c'est... Glisse pas trop, s'il te plaît. Non, je vais mettre mes crampons, je vais m'accrocher. Voilà. Avec les trucs d'escalade, là, je sais pas comment ça s'appelle. Des chaussures d'escalade? Des crampons? Non, ça importe un nom. Les petits piquets, là, et les choses, là. Et les choses, là. Les... Ça, là. Voilà. Ah, les burins. Ouais, sûrement. Non, peut-être pas les burins, mais... Si, mais non. Quoique. Non, je vois très bien. Non, les piques. Les mousquetons. Non, le mousqueton, je vois, c'est pour attacher. Un mousqueton, je dois en avoir un pas loin, en plus. Non, mais genre, l'espèce de petite pioche que tu... Ouais, ça. En... Ouais, ouais. C'est un pic, je crois. Comme c'est... un pic à glace. Juste un pic. Ah, peut-être. Je crois que c'est juste un pic. Pic et collégramme. C'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule, que dis-je ? C'est mon doigt. Ah. C'est simple. Voilà. J'ai fait du miam. Le miam, je le mets dans un des frigos. Qui sera... Non, pas celui-là, ça c'est les boissons. Voilà, qui sera celui-là. Troisième frigo, il y a du miam. Je peux pas en faire plus. Non. Donc, pour les gens qui ont besoin de santé et d'énergie, servez-vous dans le frigo. Prenez un à deux plats par jour, je pense que ça peut vous suffire si jamais vous êtes en rade de tout ça. Mangez pas trop et surtout mangez, bougez et tout ça. Tout à fait. Moi, j'ai au moins 5 frais de games par jour. Alors, selon Google, il s'agit d'un piolet. Hein. Ah, ça s'appelle aussi un piolet, le pic. C'est Cédric Piolet, alors, le tennisman. C'est Google qui le dit. Ouais. Si Google le dit, on peut avoir confiance. Ah, c'est un Google. Amen. Cédric Piolet. Ah non, c'était Pioline, merde. Hein. Parce que pareil. Crier sans Google avec nous. Oh, bah. Je préfère Bing. Non, c'est pas vrai. Là, j'ai eu envie de sauter dans le lac juste à côté. Là. J'aurais dû... Une petite brasse comme ça. Le lac. Le problème, c'est que je sais nager. On peut régler ça si tu veux. Ah, par contre, j'ai des cailloux sur moi. Peut-être que si je les mets dans mes chaussures. Ne faites pas ça chez vous. Évidemment, c'est fait par un professionnel. Ah, il y a Ando qui continue la prière. Que ton moteur de recherche soit sécurisé. Que ton adblock soit désactivé. Que tes cookies soient pas cramés, je sais pas. Soit dévoré, ouais. Ne soient pas carbonisés. Tu veux rester sur les mêmes pieds. Il n'y a pas des trucs à faire, des champignons là en recette. Vous me prévenez quand il est temps d'aller se coucher, les amis. Oui. Oh mon dieu, c'est là. Merci. Oh, t'as le temps encore. Parce que je suis sur le plan de la ferme. Oli, Nino. Bah, j'ai aucune recette qui demande des champignons, sérieux? Mais peut-être que tu ne les as pas parce qu'il y a des recettes qui se débloquent en étant pote avec des gens. Ah, flûte, va falloir... Peut-être que j'ai pas la poêlée de champignons, je dis ça comme ça, c'est faux, c'est... Lewis, celui qui habite dans une tente, là. Parker. Ah, oui. Non, Lewis, c'est le maire, celui dans la tente, c'est... Non, comment il s'appelle, j'ai oublié. Linus, là. C'est Linus. Ah, Linus, oui. Bon, ben, je vais reposer les champignons dans ce cas. Oui. Je réduis la facture à 15 000. Oula. Le compte en banque, tu veux dire. Oh, la facture. Il va s'acheter une nouvelle paire de chaussures. Non, un anneau. Oula, il fait quoi cet anneau pour qu'il continue ? Les dominer tous. 15 000. Il régène de la vie à chaque fois que je tue un monstre.
Oh hmm. Ah oui. Pas le mien, c'est vrai. Et vu que mon problème vrai. Actuellement, c'est la vie, effectivement, ça peut être pas dégueu, quoi. Ouais, mais tu l'as mal dit, c'est... La vie, 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 moi, ce générique, je vous propose de le regarder dans d'autres langues, c'est assez drôle. The life, the life, the life. Le meilleur ah, en espagnol, c'est marrant. La vida, la vida, la vida. C'est comment on dit la vie en allemand? Life. Et Google, comment on dit la vie en allemand? C'est life, je crois. Non, c'est pas life, life, c'est en anglais. Mais, attends. Live. Quoi? Comment t'as... Et Google, répète. Non, quand tu dis ich liebe dich. J'ai pas compris. Leben. 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 L-E-B-E-N. Ah, peut-être. Leben. 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 Alors, Imra, le truc que j'ai entendu, c'est. Leben. Tout à fait. Alors, vous n'êtes pas obligé de saturer. Allez, s'il vous plaît. Les lives vous en remercient. Je vois pas de quoi merci ça parle. Merci les lives. Bisous. Pendant ce temps, il y a une blague sur le chat que personne n'a relevé. Du coup, je vais le relever. Je vais marquer AA, c'est drôle. AA, c'est drôle. Comme le groupe voilà. De musique, AA. Ouais. Est-ce que c'était vraiment un groupe ou pas? Je oui. Pas. Ah. Oui, bien sûr. Ils ont fait Economy. Oui, mais je sais pas si c'était un groupe ou si c'était juste une personne. Non, 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 c'est un groupe, c'est un duo. Ok, ok. Bon, il y avait sûrement des musiciens derrière, mais c'était. The more you know. Economy. Ah, c'était ça, la suite. Bille. On va pas la même version. Ta 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 ta. C'est à peu près comme ça. Nous, on va c'est pas loin, franchement. Attention, la DMC est là, on va se faire strike, hein, à mon avis. Ah oui, oui, bien sûr. Mais non. T'as le droit de chanter ce que tu veux, normalement. Je te rappelle, Imra, d'ailleurs, qu'il y a un concours de personnes qui chantent faux. C'est pour une étude très sérieuse. Je relance l'invitation, si tu veux qu'on s'y inscrive. Mais justement, moi je chante pas fou, hein, ça me correspond pas. J'avoue, moi non plus. Attendez, attendez, c'est quoi cette astuce à la télévision? Vous regardez Vivre à la ferme, nous sommes de retour avec une nouvelle astuce. Écoutez bien, deux points, le porc. Fin de l'astuce. Le porc? J'ai pas. C'est quoi cette astuce? Le porc? Attends, l'animal ou. Non, non, oui, l'animal, P-O-R-C. Ah, moi il me dit rien. Moi il me dit écoutez d'argent. Bien et il y a rien après. Un orage approche les gars. Oh. Ah ouais. Les esprits sont dans IRL ou dans le jeu IRL je lui surprenne mais là c'est. Sans déconner il y a eu un orage. Où... Oh. Ah, dans le nord-est tu peux dire que ça a pété hein. D'accord. Nous il a fait un super soleil. Ouais. Ouais nous aussi on est sorti prendre les. Oh là là, mon petit vénère. Nous, on l'a fait hier. Sous le soleil. C'est vrai. Dans le sud, il fait beau. La, 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 la. Et pas dans le nord. Les jolies fleurs, les c'est joli. On est en train de se moquer de nous. On dit que le nord-est, c'est à partir de Lyon pour les deux Toulousains. Bah, n'importe quoi. Bah, non, 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 je suis pas désolé. Lyon, t'es déjà au niveau du polaire, là. Ah, oui, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Moi j'ai déjà dit que c'est... je coupais la France en deux à partir de Limoges. C'est au-dessus de Bordeaux, je crois, non. C'est ça. Non, Montauban, s'il te plaît. Parce que Limoges, c'est tellement vide. Ils ont la porte. C'est la moitié, tu vois.